Comment faire du montage vidéo depuis une application mobile? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te présenter une application mobile qui va te permettre de faire du montage vidéo. Et elle se nomme KineMaster. Cette app est vraiment connue puisqu'elle a plus de 100 millions de téléchargements et plus de 3 millions d'avis, en tout cas ici sur le Play Store, c'est juste énorme, avec une moyenne de 4,5 sur 5. Donc franchement, c'est quelque chose apparemment de plutôt costaud. Bien entendu, elle est disponible sous iOS et sous Android, peu importe le téléphone aussi que tu as, puisqu'aujourd'hui je vais te faire la présentation de cette application via un téléphone qui est pas non plus haut de gamme, qui est plutôt milieu de gamme et qui a pas non plus de très grosses performances. Il s'agit donc du Poco X3 que je t'ai aussi présenté sur ma chaîne YouTube. Et c'est vraiment pour te montrer à quel point aujourd'hui, je ne savais pas aussi de mon côté, avec une application mobile, on peut faire du montage vidéo, mais c'est hyper impressionnant tout ce qu'on peut faire et on va voir ça juste après. J'ai vu en tout cas que vous étiez vraiment super intéressé par ces séries de vidéos concernant le montage et ici on se retrouve donc aussi avec une application gratuite, donc tu peux la télécharger, le lien est dans la description de cette vidéo, donc vraiment n'hésite pas. Et c'est surtout aussi, je trouve, la simplicité, à quel point aujourd'hui il est facile de faire du montage. Et c'est parti pour le petit test. On se retrouve donc sur l'application KineMaster, comme je te dis, le lien est dans la description de cette vidéo, c'est hyper impressionnant. On va juste aller dans les paramètres rapidement pour te montrer qu'il est possible en tout cas de faire pas mal de petites choses supplémentaires. Alors ici on est dans information de capacité de l'appareil, c'est à dire qu'on va voir un petit peu l'appareil qui est en cours. On peut exécuter aussi une analyse dans l'immédiat si l'on le souhaite. Alors moi ici voilà, c'est un téléphone milieu de gamme, mais c'est vraiment très intéressant, c'est le Poco X3, vraiment pas de très grosses performances. Et pourtant on va faire du montage vidéo avec et ça va être super facile. On va voir tout ce qui est emplacement d'enregistrement, ce genre de choses, fréquence d'image d'exportation jusqu'à 60 fps, c'est vraiment énorme. On retourne un petit peu sur l'interface, le menu de KineMaster, et si on appuie sur le petit bouton rouge, on aura donc ici tous les formats. C'est incroyable, je trouve, sur une application d'avoir ça, tous les formats en tout cas pour réaliser le montage, que ce soit du 16:9, du 9:16, que ce soit d'autres formats, donc ça peut être vraiment une bonne chose. Alors je clique donc ici sur du 9:16 pour donc on va dire un montage plus pour story Instagram par exemple. Et donc ici on va avoir accès à tous les dossiers de mon téléphone. Voilà, j'ai ma caméra, j'ai mes WhatsApp images, toutes mes vidéos, toutes mes images ici, aussi que ce soit le son, aussi que ce soit par exemple de la musique. Et bien entendu on va pouvoir l'importer dans le l'application, dans le logiciel de montage vidéo. Donc ici je regarde un petit peu, voilà, je me dis qu'est-ce que je vais prendre. Alors là par exemple ici j'ai sélectionné tout simplement la vidéo donc avec ma moto, tout simplement, donc ça dure 10-15 secondes. Je comme on peut le voir, donc comme sur un montage au final traditionnel, un montage vidéo, en bas on va voir donc la piste audio, la piste vidéo, et puis en haut à gauche on va voir le visualiseur, c'est à dire on va pouvoir voir en temps réel le montage qu'on fait donc ici là actuellement. Et à droite on va voir tout ce qui va être un petit peu les outils. En haut à droite, voilà les outils qu'on va vouloir rajouter. Alors ici, donc je regarde, donc à quel point, en tout cas ici, c'est facile de pouvoir mettre en play, de voir un petit peu eh bien, la vidéo ici en question. Il n'y a pas du tout de lag et j'étais assez impressionné par ça en tout cas. Simplement cliquer hop, sur la piste vidéo en question et comme on peut voir à droite, donc on va voir graphique, inversé, rotation miroir, filtre de couleur, ajustement. Si je fais inverser, donc ici en fait on va pouvoir inverser la vidéo. On va voir aussi la vitesse, on peut augmenter ou diminuer en tout cas la vitesse ici de la vidéo en question. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de choses, on a filtre de couleur comme j'ai pu le dire, vignettage, extraire aussi l'audio. Voilà, si jamais tu veux juste extraire l'audio eh bien ici d'une vidéo. Alors ici on va changer la rotation parce que comme on a pu le voir, vu que tout simplement ici on est sur un format un peu story Instagram, et bien là j'ai juste hop en quelques clics changé la rotation ici de ma vidéo en question. C'est bien fait. Au niveau des graphiques, donc des clips, eh bien ça va tout simplement être un petit effet supplémentaire avec la possibilité de rajouter du texte. Donc ici, après ça va vraiment dépendre de ce que tu souhaites faire exactement, mais tu vas pouvoir faire un petit peu de montage en tout cas de manière très simple avec un petit effet pour rajouter du texte. Donc ça c'est un, voilà, c'est un petit bonus, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc ici avec
par exemple la possibilité de mettre du texte. Donc par exemple on va mettre Christo Lyonnais et on va voir tout simplement le petit Christo Lyonnais qui va apparaître avec plein de petites étoiles et tout. Donc ça peut être assez sympa sur le montage. Moi en tout cas je suis vraiment impressionné, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Bah déjà ici l'interface, je trouve ils ont vachement travaillé l'interface sur le côté ergonomique, sur le côté en fait hyper intuitif. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Ici je peux aussi par exemple sélectionner, bah forcément choisir la séquence de l'effet. Je peux mettre l'effet pendant à peu près 5 secondes et hop après on se retrouve avec autre chose. Donc ça aussi bah forcément c'est une bonne chose, comme ça on peut plus ou moins en tout cas vraiment personnaliser bah ici ton montage vidéo. Ah, les nuances de couleurs, que ce soit le basique, donc voilà on aura plein d'effets. On va pouvoir aussi là comme on peut le voir plus ou moins augmenter la nuance de couleur en question sur 100. Ici, si je mets 61, bah forcément, ça, l'effet aura une légère importance, en tout cas dans la vidéo. Par contre, si je vais vraiment monter, bah forcément, l'effet sera très important. C'est comme un calque au final et que je vais plus ou moins augmenter le calque. Donc là, vraiment, j'ai été très impressionné parce qu'on a énormément de nuances de couleur. C'est hyper stylé. Donc là, on est sur Vivid. On va avoir noir et blanc, faible, le froid aussi. Enfin, vraiment, basique aussi avec des couleurs bien chaudes. Moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que juste avec un petit filtre comme ça, bah en tout cas, tu vas pouvoir faire des choses vraiment sympas. Et c'est quelque chose que je te conseille. Donc là si on reprend, on a le petit effet que j'ai rajouté tout à l'heure et puis on va voir le filtre au final que j'ai rajouté avec la moto ici que j'ai en question. Entendu, nous avons une vidéo mais je vais pouvoir rajouter des images. Voilà, ou d'autres vidéos bien entendu aussi attachées à ma vidéo avec la moto. Donc là je retourne dans ma petite bibliothèque, en plus moi j'ai pas mal de photos donc ça c'est assez cool. Je rajoute ici une vidéo sur le sport, donc c'est vraiment un exemple pour te montrer. Je vais pouvoir aussi sélectionner si je le souhaite juste la petite partie qui m'intéresse de la vidéo. Hein. Je ne suis pas obligé de prendre toute la vidéo que j'ai sélectionnée. Je peux juste prendre 5 secondes, voilà les 5 secondes qui me plaisent et je peux donc directement l'importer en tout cas dans l'application. Et ce qui est vraiment bien fait aussi, c'est si jamais tu quittes l'application, c'est enregistré en fait directement. Donc ça c'est super cool et quand tu retournes, et bien en fait il va te le mettre dans la bibliothèque de l'app en fait tes montages en cours. Et c'est vrai que ça c'est une bonne chose. Alors là on va voir un peu un effet de transition, c'est-à-dire que pour passer de la séquence donc ici de la vidéo A, donc de la moto, à la vidéo sur le sport, et bien on va mettre un effet de transition, donc un petit effet, voilà, ça peut être un fondu, ça peut être ici le tourbillon, le bloc, couvrir, enfin voilà, il y a là des effets, et c'est vrai que c'est plutôt cool. Alors on a puissant, transition classique, transition aussi 3D, alors après c'est vraiment à toi de voir, mais c'est impressionnant. En tout cas aujourd'hui d'avoir ça dans une app. Vraiment dans une app, je pensais jamais d'avoir un truc comme ça. Et puis surtout ça bug pas du tout, c'est hyper intuitif. Il n'y a aucun bug, donc ça fonctionne super bien. Et voilà, donc là on va pouvoir mettre une petite transition. Hop, je mets play, je regarde, j'ai la moto. Et puis boum, je passe avec ici, avec la deuxième scène en tout cas avec le sport. On retourne donc dans la navigation média, ils appellent ça comme ça. Et on va pouvoir par exemple rajouter une image, une photo. Donc là je vais la rajouter. Il faut que je clique sur la photo pour après faire du montage dessus. Donc là j'ai rajouté 3 photos et donc je vais plus ou moins choisir la durée, la longueur des photos. C'est impressionnant. Alors je peux aussi dézoomer ou zoomer sur la piste et ça va me permettre de soit reculer, soit rezoomer sur la piste en question pour avoir un peu plus de visibilité sur ton montage. Donc vraiment après c'est à toi de t'amuser, c'est vraiment à toi de découvrir un petit peu ce que tu aimerais faire. On peut par exemple ici, que ce soit pour une vidéo ou une photo, là justement, donc la luminosité, le contraste, la saturation. Alors ça va vraiment être pratique en tout cas surtout pour la vidéo. La température, l'ombre aussi. On va pouvoir faire pas mal de petits réglages. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. On peut aussi ici couper ou scinder. Et donc ici je vais choisir du texte. Et donc là je vais le placer. Je peux le redimensionner. Je peux choisir le type de texte. Je peux mettre un effet sur le texte en question. Donc c'est vraiment comme sur un logiciel de montage vidéo quoi. Et puis tout simplement je vais pouvoir l'ajuster, faire un petit effet tranquillement, choisir sa durée. Et comme on peut le voir, on va voir donc là au-dessus au niveau de ma piste. On va avoir les images et juste en dessous, on va donc y avoir le texte. Donc là, je vais créer une distance. Par exemple, je crois que j'ai mis un petit peu d'ombre au niveau de mon texte. Donc, c'est vraiment super bien fait. Il n'y a aucune, en tout cas, difficulté avec ça. Donc, on peut voir l'ombre un petit peu. Alors, si j'appuie sur,
sur les quatre petites barres, là, quatre petits triangles qui se situent un peu au milieu de l'écran, eh bien en fait ça va me permettre d'avoir un plus grand visuel sur en tout cas le montage en question. Donc comme ça je vois un petit peu tous les effets que j'ai fait là depuis le début et ça me permet de que ce soit un peu plus agréable en fait. Donc ça c'est vraiment sympa, je peux agrandir l'écran en tout cas de mon retour, sans avoir à faire le montage en lui-même. Là ici on peut rajouter donc des effets, que ce soit aussi le flou, et d'ailleurs ça j'ai été très impressionné, mais on peut par exemple aussi personnaliser et choisir l'endroit exact que l'on souhaite flouter. Et j'ai été assez surpris quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais quand même, vraiment à quel point on peut en tout cas ici personnaliser. Donc par exemple là imaginons on va flouter un endroit, le Fly Emirates, et bien hop, c'est vraiment pas compliqué. Je vais donc eh bien rapetisser un peu la zone de floutage et puis hop je me positionne sur le, par exemple sur le Fly Emirates et voilà, il y a le petit flou, hop je clique ailleurs et puis le floutage c'est fait. Si on regarde ici, tac, il y a le petit floutage et ça c'est plutôt cool. Voilà, on va voir un peu tous mes effets, le texte et tout. Alors bon, ici c'est vraiment un exemple, donc c'est vraiment pour, on va tout mettre, faire tous les effets et tout. On peut mettre des autocollants aussi, après ça on peut mettre par exemple des petits éclairs. Après ça c'est on aime ou on n'aime pas, on peut, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. On va pouvoir redimensionner comme d'habitude, on va pouvoir mettre des effets, enfin voilà, on reste vraiment sur cette version là, en tout cas toutes ces possibilités. Et c'est pour ça que je me suis dit ça pouvait vraiment être intéressant et pertinent en tout cas de vous faire une vidéo sur une application. Ça change vraiment de tous les logiciels qu'on utilise et qu'on teste, parce qu'aujourd'hui bah au final, tu n'as pas besoin en tout cas d'avoir 50 000 logiciels. Là, tu as juste une app et tu peux faire du montage vidéo, montage photo. Enfin, tu peux t'amuser tranquillement. Là, je fais des petits effets au niveau des éclairs pour tester comme ça. Et quand on retourne sur le KineMaster, eh bien en fait simplement on peut voir bah, mon montage et je peux repoursuivre mon montage tranquillement ou alors faire une petite pause et on peut donc ici visualiser. Donc je peux mettre en play, voir un peu le montage que j'ai fait et il n'y a aucun bug, c'est vraiment super bien fait. Après je vais pouvoir aussi partager la vidéo en question. Donc ici on est sur un format donc du 16:9, on est sur du 9:16, donc vraiment un format story. En tout cas, le lien de leur application est dans la description de cette vidéo et n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Boum! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.